Maman, attends, la ceinture là, écoutez. Moi aussi. Hein. Yo, me clengue. Yo, me clengue. Me clengue, ma comment série bongi, me clengue. Me clengue, me clengue, ma comment série bongi, me clengue, maman. Mignon, zalo. Wo, yo. Yo, me clengue, maman. On va m'oublier comme ça. Me clengue, me clengue. Wo, me clengue. Yo, on partage. Bolo, bolo. Je ne vous dis pas bolo maintenant. Je vous ai dit bolo tout à l'heure là. Maintenant, on continue. On continue l'analyse. On a été arrêté parce que la batterie s'est arrêtée. Et comme je partais chercher votre fille à l'école, donc repartageons le live parce que tout à l'heure nous n'avons pas terminé notre analyse. Mais pendant que j'étais dans le live, pendant que je partais chercher votre soeur, on m'a fait comprendre que ce que j'étais en train de dire, même dans le live là, il y a déjà une star, il y a déjà une star gabonaise qui reproche à Shane Braden d'avoir introduit son nom sans sa permission. Vous voyez que je ne suis pas bête, oh. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas idiote, c'est vous qui faites des choses par la vue des gens parce que vous voulez que les gens vous regardent dans le djon. Vous ne comprenez pas quand on vous sensibilise sur quelque chose. Vous ne comprenez pas. Là, il peut avoir 184 plaintes. Il peut les avoir 184 plaintes. Et les 500 000 dollars là vont lui servir de payer les dommages intérêts qu'il a fait sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas ça. On va vous parler des choses, vous ne comprenez pas. On va vous dire la logique des choses, vous ne comprenez pas. On va même vous apprendre comment faire les choses, vous ne comprenez pas. Le buzz est tellement fort. Moi-même, je vais vous donner le buzz là. Allons-y, asseyons-nous et partageons. Oui, je viens de voir, vient de m'envoyer l'artiste fan, tu vois. L'artiste fan. L'artiste fan vient de décliner. C'est tout à l'heure là, deux minutes que j'arrive de l'école devant, vient de m'informer ça. C'est-à-dire même que l'artiste était dans mon live. Le parent était dans le live. Il a vu le live, donc il s'est dit, au départ, il n'a pas vu, parce que c'est maintenant, il sort, il dit que non, bon, c'est flou. Maintenant, il vient entendre comment Claire lui m'a dit que, mais tiens, la grande a raison, mais attends, le petit là, c'est pas pour qui. Mais il m'a pas contacté, il m'a même pas écrit. C'est ça que j'avais fait à le petit connard ivoirien qu'on appelle, Valéena, Apuchou. Leur truc, ma boule, qu'ils ont fait les Oscars, les blogueurs, je vois ma photo là-bas, pas, et mon nom. Personne ne m'avait jamais contacté que Claire. Tu vas passer aux Oscars des Ivoiriens ou Claire, on va te prendre comme guest. Non, j'ai vu ma photo là-bas, c'est moi qui ai eu pitié parce que je pouvais les poursuivre en justice. Que vous mettez mon nom et ma photo là-bas, vous m'avez sollicité. Mais comme ils sont imbus de leur personne, je vous jure qu'il n'y a même pas quelqu'un qui est venu. Wally allait contacter. À l'époque, la petite elle était encore avec moi, là, comment elle s'appelle, Caroline. Elle est partie contacter, même pas venir. Mais ils ont pris la facilité, comme on est des personnalités publiques, d'utiliser les noms de gens. D'utiliser les noms de gens dans vos projets sans les inclure. Juste parce que c'est vous qu'on doit voir. Genre, je suis trop minable que tu prends le digne nom de la fille de Bissérou et tu vas me mettre dans ta photo et tu me mets dans ta photo. Et tu n'es pas capable de me saisir, moi, la propriétaire. Moi, la propriétaire. Donc, imagine, j'allais apprendre ça dans le cimetière, que j'ai gagné un trophée. Je dis que gardez votre trophée, la con de minable de noix. Bande de saloperies, de bêtards que vous souffrez dans les réseaux sociaux. C'est pas Shane Braden que je suis. J'ai encore le macabre de Apuchou dans ma tête. J'ai encore le macabre de Apuchou. Bien. Alors, monsieur Oumon, veuillez dégager de ma page. Allez-y proposer vos services sataniques, diaboliques, dédiés à Satan, à Lucifer, dans votre univers. Merci bien. De respecter les plateformes des gens. Voilà. Ici, c'est plateforme d'une Gabonaise panafricaniste quand elle désire. Mais sinon, c'est quelqu'un, il ne faut pas venir proposer les sorcelleries. Alors, nous étions tout à l'heure, chers amis, partagés. Veuillez me taguer, Shane Braden, n'ayez pas peur. Vous savez que je suis cabri mort.
Je suis cabri mort. Ils sont 25 millions. Nous sommes 42. Nous sommes 42 ou 43. Je ne sais plus. Nous, on n'a pas peur des baobabs. Nous sommes les petits qui bousculent les baobabs. Donc, on doit être fiers de nous. Nous, on n'est pas les gens qui ont peur des baobabs. C'est les baobabs qui ont peur de nous parce que nous sommes des mouches. Nous, les mouches, là, quand ça commence, là, nous allons se retrouver en prison. Donc, nous, là, nous sommes des mouches qu'on n'a pas. Vous savez que nous sommes puissantes. Donc, les Newman Boss, les maréchaux, et mes ministres, n'ayez crainte, t'avais Sean Braddon, il n'a qu'à venir s'asseoir et écouter les conseils de sa sœur. Voilà. Il n'y a que moi qui dis les gens les vérités dans les réseaux sociaux sans insulter. Sauf quand on me demande, quand on me provoque. Mais bon, je dis dans le respect, le 5% de temps dans le respect, 90% de temps dans les cris. Bien. Alors, tout à l'heure, nous étions en train d'analyser la plateforme. Je ne vais pas revenir parce que vous allez regarder ça le premier live. Et avant que je ne sois coupée, j'avais déjà cité le nom des artistes. Avant que je ne sois coupée, j'étais en train d'analyser et argumenter les éventuelles poursuites, plus ou moins. J'étais en train d'analyser les éventuels dommages collatéraux, oui. J'étais en train d'analyser les éventuelles plaintes, voilà, et les éventuelles erreurs de notre frère. Je tiens déjà à préciser ici que je ne suis pas en train de boycotter ni faire un procès au frère, mais il fait des publications sur sa page. Laissez-moi aussi d'interpréter ses dires à ma manière et de donner mon point de vue. Donc, vous aussi, vous pouvez rentrer dans le live si vous avez des choses à dire. Vous avez la liberté de rentrer et venir, bien sûr, défendre le projet. Si je ne comprends pas, bien évidemment, je vous donnerai raison. Mais ici, ce n'est pas de juger quoi que ce soit, d'analyser les faits tels qu'ils sont présentés. Donc moi, ce n'est pas moi qui publie, c'est Sean Braddon qui publie et il écrit en français et en noir et blanc. Tout à l'heure, dans le précédent live, j'ai vu un commentaire. Il y a quelqu'un qui disait que il n'a pas dit que il va donner de l'argent. Il a dit qu'il va faire de streaming, qu'il appelle les artistes pour leur faire des streams. Mais on va revenir dessus, là encore, sur une insulte envers ces artistes, parce que tous ces artistes-là ont des plateformes. Tous ces artistes-là gagnent aussi de l'argent avec des streamings. Donc, ils ne peuvent pas avoir un streaming plus performant que ce que les gens utilisent, sauf s'il est le seul au Gabon à avoir un streaming unique qui va donner de l'argent à ces artistes-là. Donc, soyons honnêtes, disons-nous parfois des choses comme il se doit, pas dans l'émotion, pas parce qu'on a envie de faire appartenance, c'est pas parce que vous allez lui dire qu'il fait bien, il fait bien, que demain il va vous virer l'argent, vous comprenez? C'est pas parce que vous allez l'acclamer, Sean Braddon, c'est le roi, machin, il va vous donner, il va pas vous donner, s'il voit qu'il n'y a pas de nécessité à vous donner, il va pas vous donner, vous pouvez m'aller lécher ces couilles-là, il va pas vous donner. Encore, je vais répondre à quelqu'un ici, je ne sais pas si c'est un faux profil ou vrai. Il y a une certaine Annabella mexicaine qui a laissé un commentaire sexologique comme ça que j'attaque Sean Braddon parce que j'ai envie de m'binder avec lui. Annabella, quand je m'binder avec les gens, je ne les attaque pas. Je ne fais pas partie de ces femmes-là qui insultent les hommes avec lesquels elles couchent. C'est-à-dire que si moi j'aurais m'binder à Sean Braddon, je n'aurais même pas pris mon temps à venir s'asseoir et parler de lui dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu m'entends? Parce qu'une relation, pour moi, mes relations sont précieuses. Mes relations sentimentales, ou comme vous m'appelez, adultérisme, ou quoi, c'est mes relations privées. Mes hommes, je ne les affiche jamais. Jamais je vais prendre un homme avec qui je suis allé au lit et venir l'insulter, même s'il m'a détruit, même s'il m'a offensé, même s'il m'a déçu, comme je connais son inbox, j'irai dans son inbox l'écrire. Si vous avez l'habitude de voir certaines femmes venir parler mal de leurs hommes, vous m'enlevez des dents. J'ai reçu une éducation. Voilà pourquoi je ne parle pas de ma vie sexuelle sur les réseaux sociaux. D'accord? Parce que ma vie sexuelle est mienne. Si j'aurais un binda avec Sean Braddon, je ne serais pas là à parler de Sean Braddon. J'aurais gardé, je l'aurais appelé en privé que chérie, ce que tu as en train de faire là, c'est pas bon. Enlève-moi ça. Et c'est moi-même qui aurais rédigé même son projet. Il dit que voici ce qu'il faut faire. Voici ce que faire, c'est ça. Et comme je n'ai pas binda avec lui, alors je parle. Ah voilà, vous avez compris, je ne parle jamais de mes hommes et je ne parle jamais d'un homme avec lequel je suis allé. Je ne parle jamais mal un homme avec lequel je suis allé au lit. Ça c'est de l'éducation. J'ai reçu une éducation. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que forcément il faut se faire voir. Mon éducation n'est pas celle que je vous donne là. Vous méritez parfois que je vous insulte parce que vous m'énervez. Vous comprenez? Voilà, l'éducation que j'ai c'est pour mes enfants. Donc votre truc de que je parle à Sean Braddon parce qu'il m'a mbinda, vous m'avez fait ça avec le compatriote qui est parti. Vous, à chaque fois que je parle d'un homme, j'ai mbinda, mais sachez, je vous le dis ici, tous les hommes avec lesquels j'aurais été, où je suis parti, où je partirai, jamais, au grand jamais, peu importe les problèmes, peu importe les disputes, peu importe quoi, jamais, moi Claire, je viendrai m'asseoir
et insulter un homme qui est monté sur moi. Vous avez entendu? Jamais, moi Claire, je viendrai m'asseoir dans les réseaux sociaux et parler mal d'un homme qui est monté sur moi, qui m'a vu nu. Jamais. Alors vous mettez ça dans vos têtes déjà calé. Ne venez plus m'embêter avec ça. Et comme vous comprenez, on n'a pas été élevé pareillement. Ne confondez pas votre éducation avec l'éducation des gens. Vous ici, quand quelqu'un parle, tu as des avec. Non, je ne me balade pas avec le cul partout. Je ne me balade pas avec le cul dans tous les problèmes. Restez dans votre univers sexuel. Restez dans votre univers de sexe. Si on ne parle pas, on n'a pas fait sexe. Enlevez-moi dedans. Je ne suis pas maman sexe. D'accord, je le vois. Quand je vois même les hommes là, je ne vois même pas le sexe. Je vois comme si on était des potes. Tu comprends? Et sur le genre de film avec les hommes, je peux être avec Brad Pitt là. Je n'imagine même pas aller au lit avec Brad Pitt parce que pour moi c'est un frère. D'accord? Tout le monde n'a pas le pipi facile à avoir le sexe partout. Donc vous m'enlevez ça au corps. Si moi j'aurais une bite avec Shane Braden, je n'aurais pas parlé de lui. Parce que je ne parle jamais mal de mes hommes. Et pas publiquement. Si j'avais pété un câble avec l'homme avec lequel j'étais, je pense au téléphone, je l'insulte là-bas en privé. Et puis là, quand elle boudait à côté, moi aussi je boude à côté. Et puis on se rappelle. Je ne vais pas prendre la caméra, mais je vais l'insulter publiquement pour vous donner plaisir. Moi, elle vient regarder. C'est-à-dire que je suis une servante des réseaux sociaux. Zone que vous souffrez. Deuxième parenthèse est fermée. Revenons. Bien. Bonsoir à toi. Bonsoir. Tu vas bien. Bonsoir à tous. Bien. Alors, on continue. Donc, tout à l'heure, nous étions en train d'analyser. J'avais besoin d'ouvrir cette parenthèse-là. Et puis, Annabelle n'a jamais commenté mes trucs. Quand il vient me parler de cul, ah, Seigneur. On était en train d'analyser, je prends le poste. On était en train d'analyser, bien sûr, le poste de Shane Braden. Et pendant que je suis allée chercher Eva à l'école, on m'envoie une vidéo où l'artiste Le Fan vient plus ou moins... confirmer ce que j'étais en train de vous dire là. Je vais d'abord vous laisser écouter l'artiste Fan. Il y a certains Africains qui, lorsque ton voisin a faim, attend la tombée de la nuit, va lui poser un sac de nourriture au seuil de sa porte, de telle sorte que quand il va se réveiller le matin et qu'il marche dans le village, il aura l'impression que tous les villageois sont pour lui. C'est une notion de dignité. Ceux qui comprennent comprendront. C'est une notion de dignité. La dignité, c'est l'une des choses les plus importantes qui reste à un don. Exact. La dignité. Lorsque quelqu'un tend à souiller ta dignité, il y a ce qu'on appelle un transfert d'énergie. Alors, ce matin, je vous fais cette petite vidéo par rapport à un constat. Je viens de constater que sur la page de Shane Braden, il y a pratiquement une heure, il y a eu une publication officielle de lui et son manager, qui sont de Jerry Wall, qui est un ami. Une publication sur la liste, la fameuse liste des gens qui vont recevoir les $500,000. Donc moi je profite de passer par Facebook parce que j'ai vu l'annonce, personne m'a appelé, je n'ai eu l'approbation pour avoir mon approbation parce que il s'agit de moi, je suis une entité en tant que FANG. Donc je passe aussi par Facebook. Bon bref, je vais traduire. Il parle doucement. Il faut apprendre à parler vite comme moi aussi et fort. Je vais traduire. Alors, il dit ici, déjà, il a soulevé un point, que la dignité d'un homme est importante. Lorsque un homme ou une femme, donc les individus ou les êtres humains, n'ont plus de dignité, nous n'existons plus. C'est-à-dire que je vais même vous demander ici, cher peuple, chers tous, faudrait pas qu'on bafoue votre dignité par de l'argent. Faudrait pas qu'on achète qui vous êtes avec de l'argent. C'est ça que plus ou moins... l'artiste Fan dit ici que il n'a pas été contacté par Shane Braden. Est-ce que je n'ai pas dit ça dans mon premier live? Est-ce que je n'étais même pas en train d'analyser ça tout à l'heure là, que dans la liste des 184 artistes que tu demandes de contacter, est-ce que tu es rentré en contact avec ces personnes? Ici Fan dit enlève son nom dans tes bêtises. Enlève son nom dans tes conneries. Il n'est pas un crève la faim.
Il y a comment on appelle? Il y a le frère de Yannick Dombala. L'heure est comme une donc demain aussi va te dire enlève notre groupe parce que c'est pas toi qui nous a fait. On n'est pas un crève la fin. Chanel te dira pareillement. Amandine te dira pareillement. Il va rester que les petits wolo wolo qui sortent rien là qui vont te dire grand on te suit. C'est de ça que j'étais en train de te parler tout à l'heure là. Comme moi je vais te détruire. Voilà moi dans ta destruction comme ça. Voilà les gens qui viennent confirmer ce que j'ai dit. Eh, prenez au moins, en fait, prenez mes cris. Vous mettez les cris à côté. Ça veut dire qu'au filtrer de mes cris là, filtrer le sens même de mes paroles. Sean Braddon, en Afrique et au Gabon, tu es l'influenceur avant de devenir producteur. L'influenceur africain après, il s'appelle comment le Sénégalais qui fait? Bon, bref, le plus suivi de l'Afrique. Tu es le plus suivi. J'ai même vu une fois, tu allais commenter sur chez Mark Zumberger. Je t'avais vu commenter là-bas. Je ne sais même pas si Mark Zumberger était venu me liker ton commentaire. Donc, même Mark Zumberger te connaît. Voilà, Kabi, même Mark Zumberger, le propriétaire de Facebook, te connaît. À ce moment-là, tu n'es plus n'importe qui. Tu ne peux même plus avoir une communication bassesse. Tu ne peux même plus avoir des sorties qui visent à frustrer, offenser ou diminuer ou humilier les tiens. Tu ne peux plus le faire. Aujourd'hui, tu dois être dans ce genre de communication d'élévation. C'est-à-dire que quand tu pèses ton A, avant de faire sortir ton A devrait être pesé. Avant d'écrire même un mot, tu dois l'envoyer dans le monde entier. Tu devrais même l'approbation à Jésus. Jésus, je poste ou je ne poste pas. Parce que même des personnes dans le monde entier te regardent. Il n'y a pas que nous, des suiveurs qui viennent liker et suivre. Le monde entier te regarde. Même Econ te regarde. Donc, Econ va te regarder comme c'est présenté. You are présenté. You donne projet. No suivisme. You présenté. Même les bas Econ vont dire que l'enfant là c'est un présenté. Il n'est pas un businessman. Un businessman n'a pas ce genre d'état d'esprit de wolo wolo de poule mondios que toi tu as là. Tu fais les choses comme un poule mondios. Wabon mam, un poule mondios. Maintenant que femme. Avant ma copine va fangni, avant du jour, enlève son nom dans tes conneries dedans. Tu vas maintenant dire quoi? Maintenant, c'est Nico. Non seulement tu enlèves mon nom, mais je te porte aussi plainte parce que Sean Braddon, tu m'as pas contacté. Tu fais quoi? Tu vas dire encore quoi? Que si vous ne voulez pas travailler avec moi, laissez-moi travailler. Tu vas encore dire quoi? Que vous m'avez détruit. Alors que c'est toi-même qui ne parle pas contacter les gens. C'est toi-même qui ne va pas vendre ton projet. C'est pressé. Quelqu'un te met le feu là-bas. On te met le feu là-bas pour venir faire les publications provocatrices. Parce que c'est pas normal. Et c'est ça que j'étais en train de dire tout à l'heure. Qu'on parle de l'hypothèse que Chanel est encore avec Yonke. Que le contrat de Chanel avec Yonke est encore valable, peut-être jusqu'à la fin d'année, jusqu'en décembre 2022. Et que Yonke voit le nom de Chanel dans ta liste. Et que Chanel suppose aussi voir le nom. Là, tu mets non seulement Chanel dans les problèmes avec Yonke. Et tu vas mettre aussi Yonke en problème avec Chanel. Après, Chanel va se dire que mes petits frères ou grands frères, mon nom figure dans ta liste. À quel moment tu es rentré en contact avec moi pour m'expliquer? Maintenant, quand tu me mets mon nom, c'est pour me présenter quoi? Me donner de l'argent? Ou pour me donner la production, ou pour la plateforme. Mais si c'est la plateforme, tu dis que c'est à cause de la plateforme que toi tu allais salir mon nom. Mais c'est pas moi-même, c'est pas mieux-même, je m'avais fait mes busy là-bas pour me financer. Parce que c'est quelle plateforme de monétisation que toi tu vas créer qui dépasse Facebook et YouTube. Quand je parle comme ça, je vais détruire. Je vais détruire alors, parce que je vais détruire le mensonge, la fausse communication que vous faites dans les réseaux sociaux là. D'accord? Donc,
Non seulement on va dans la profondeur d'analyse des choses que tu ne peux pas mettre plus de 154 adultes renommés parce qu'il y a les renoms dessus et les appeler comme des chiens et les appeler comme des gens qui n'ont jamais eu de l'argent, des personnes inscrites. Regarde le ton employé, petit frère. Regarde le ton employé, un ton qui laisse indésirer. Les personnes inscrites sur la liste doivent rentrer en contact avec moi. Quand tu as inscrit les gens là dans ta liste, tu as demandé leur aval. Tu as demandé leur aval. Maintenant, ils vont rentrer en contact avec toi avec quoi? Bonjour, Shane Brandon. J'ai vu mon nom dans ta liste là-bas. C'est combien tu vas me donner? C'est comme ça que tu veux? Non. Maintenant, c'est toi, je te donne le conseil. J'ai fini de te créer comme ça. Assieds-toi maintenant, je te donne le conseil. Tu veux, tu le prends. Tu veux pas, ressort encore demain. Je vais encore te parler. Parce que tu fais de la merde et tu as de mauvais services. Je ne sais pas qui te conseille. Je ne sais pas qui est ton spécialiste de communication. Mais celui-là, il te met dans les problèmes. Dans Joe. Lui, Ariel-T est un empire. Ariel-T est riche. Hein? Ariel-T n'est pas pauvre. Ariel-T a pris le congé. Elle n'est pas pauvre. Ariel, tu ne crèves pas. Ariel, tu peux même t'acheter aussi. Tu penses qu'Ariel, tu es son mari qui est médecin ou avocat là. Ils n'ont pas 500 000 dollars, ils ont empire. Déjà, les 500 000 dollars là, chacun n'aura pas 500 000. On va diviser 500 000 dollars divisé par 184. Donc, tu vas les donner tous la même somme. Mais il y a forcément certains qui aura plus ou plus moins. Donc, si on voit, Ariel aura peut-être 1500 euros. Ou 2000 euros. Donc, tu penses qu'elle a 1500 euros près ou à 5000 près? Tu penses qu'elle a 5000 euros près? Ariel T. Avec son mari. Que tu mets son nom dedans. Tu penses qu'Ariel T veut aller chercher comment gagner l'argent sur les streaming sur Internet? Ariel T qui fait les lives même une fois tous les 10 ans. Elle qui fait les lives une fois tous les 10 ans. Elle va tout laisser son entreprise pour venir s'asseoir sur le streaming pour monétiser ses vidéos. Parce que tu penses que jusqu'aujourd'hui, Ariel, tu ne sais pas comment monétiser les vidéos. Elle ne sait pas comment monétiser. Oh! Comment le succès vous dépasse la tête, le cerveau comme ça? Seigneur Jésus! Donc ton succès-là te fait faire des bêtises pour rien. Hein? Faut t'asseoir et fais attention à toi. Tu as les bonnes idées. Tu as les bonnes idées, tu as les bons projets. Eh, mais c'est pas comme ça, on se comprend. Avant toi, il y a eu les gens qui ont l'argent et tu n'as pas assez d'argent. Tu n'as rien. Tu es pauvre. Tu n'as rien. Il y a des gens qui ont de l'argent qui ne font pas tes conneries que tu fais dans les réseaux sociaux. Tu n'as rien. Tu es un débrouilleur comme moi. Tu es un débrouilleur comme nous. Tu es un chercheur. Tu es un chercheur de money. Alors, cherchons l'argent vivant et dans le respect des uns et des autres. Bien. Alors. Assieds-toi maintenant correctement. Je vais te dire comment tu vas réaliser ton projet. Je blague, mais bon. Il faut arrêter parfois de prendre les foudres où il n'y a pas. Tu vois, tu as présenté un bon projet et là, le fan est sorti. Demain, c'est un autre artiste qui va sortir. À moins que c'est ça ton objectif. Là encore, tu viens de soulever quelque chose. À moins que ton objectif, c'est de faire parler de toi par tous ces artistes-là. Que demain, toutes les artistes-là vont sortir puisque tu n'as pas saisi ces artistes. Ton objectif, c'est de faire un tel buzz surdimensionnel nationalement et internationalement. Et ainsi, les gens diront, vous avez boycotté Shane Brandon. Parce que les personnes comme les Balofans ne sont pas d'accord, ne sont pas contents de tes manœuvres. Ne veulent même pas figurer dans tes manœuvres. Il sort aujourd'hui. Ariel T demain, elle va aussi faire passer par son community manager. Chanel aussi peut faire passer par son manager. Et puis comme ça, à long terme, on va se rendre compte que c'est ça normalement ton objectif. C'est qu'on parle de toi. C'est que tout le monde là sort. Comme pour le moment là, c'est clair du monde. Le phénix sont encore sur toi. Le fan est sorti. Ils vont sortir là. Tes galons vont sortir parce que il n'y a pas de bad buzz pour vous là. Avec vous, tant qu'on parle de toi, en mal ou en bien, ton nom est dans les réseaux sociaux, c'est bon. Vous n'êtes pas comme les gens comme moi. Là, tu parles de moi, je m'avais porté plainte.
tu fais partie des gens que, en bien ou en mal, du moment que ça sort, ça te donne le limite, ça te donne quelque chose. C'est comme ça, tiens. Si c'est ce genre de buzz-là, c'est mal tombé. Parce que dedans, il y a l'humiliation de certains artistes que tu viens de faire. Dedans, il y a l'humiliation que comme si certains artistes sont des mendiants, ils doivent venir commander de l'argent chez toi. Tu comprends? Comme si c'est toi, c'est le Gabon qui a l'argent là, qu'on doit forcément passer par toi. Tu as mis les gens comme ça, tu as mis les gens. On m'a dit que, comment il s'appelle? Celui qui a chanté, quel est ton nom? Quel est ton nom? A dit qu'il te suit, mais c'est normal. Il y a des artistes qui sont morts depuis. Ils attendent tout simplement un peu d'argent, un peu de souffle comme ça. Il y a des artistes qui n'existent plus. Il y a des artistes que les Gabonais ne connaissent même plus. Notre la génération d'hier là ne connaît plus le nom. Si c'est eux que tu veux aller déterrer, il fallait dire que je vais déterrer les baobabs décédés des années 90. Si c'est les baobabs décédés des années 90 là, pourquoi tu n'as pas mis? Il y a quelque chose que je viens de comprendre. Tu n'as pas mis celui-là, comment ça s'appelle? Donnez-moi le nom. Hey, celui qui chante Massassi. Pourquoi tu n'as pas mis Massassi? Le groupe Massassi n'est pas dedans. Il n'y a pas le groupe Massassi dedans parce que tu sais qu'ils n'ont pas ton temps. Voilà. Tu as tapé, celui-là, c'est, il y a un qui est devenu cabinet de quelque chose de Bongo, non? Il y a quelqu'un qui est mené au pouvoir là-bas, non? Il y a quelqu'un qui est mené au cabinet de quelque chose là-bas. C'est Massassi ou bien l'autre? Il faut mettre aussi Massassi. Aïe, aïe, aïe. Mon nom n'est pas, mon nom s'est coupé en deux. Voilà, j'ai même mal. Quand tu touches comme ça, il y a la douleur, il faut laisser. Ah, c'est coupé en deux. Donc, quand ils allaient remettre les ongles, j'ai d'abord mis dedans. Ça m'a fait mal. J'ai enlevé parce que ça fait mal. Ah, c'est coupé en deux. Laissez l'ongle là. Je ne vais pas mettre l'esparadrap. Ça fait bizarre. Pardon, faut laisser. Est-ce que vous me voyez caché? Parce que j'ai mal, je souffre. Si tu touches main un peu comme ça, j'ai mal. Tu vois, l'ongle se casse en deux là, papa. Non, quand ils sont encore allés recoller là, il dit que pardon. La dame l'a mis, le soir j'ai enlevé, ça faisait trop mal. Vous laissez comme ça. J'ai fait mes efforts là. Quand je travaille parfois, je mets la bande. Vous me voyez ça avec les bandes là, mais là j'ai dit que je n'aime pas la bande, ça fait sale. Mieux comme ça que de mettre l'esparadrap dessus. C'est Massassi qui est au pouvoir là-bas. Bon, bref, on va passer vite fait au conseil. Si quelqu'un veut intervenir, quelqu'un veut parler, vous rentrez, vous parlez. Vous avez le droit de rentrer, donner votre point de vue en toute objectivité. Voilà. Moi-même, quand vous me voyez là, je n'arrête pas de vous dire là. Je vous montre mon dos. Il est large. J'ai un gros dos. Il est tellement large que il n'y a rien. Parce que moi, je ne vis pas selon les appréciations des gens. Ouais. Je ne fonctionne pas selon les appréciations des gens. Ni selon ce que les gens disent, vont parler et penser de moi. Je me surestime déjà moi-même. Ce que je pense de moi est suffisant. Donc, vos injures à la fin de la soirée ne vont pas me faire quelque chose. Je vais me lever, aller préparer à manger à mon enfant. C'est comme ça. Donc, si quelqu'un veut participer, intervenir, vous avez le droit de participer, intervenir et donner votre point de vue sur cette communication bâclée que notre frère veut mettre en place. Voilà. Et puis, c'est aussi pour le mettre en garde aussi. Vous savez, il y a beaucoup de Gabonais qui ont eu beaucoup de projets. Il y a beaucoup de gens. Là, vraiment, c'est un conseil. Moi, je ne sais pas donner les conseils. C'est vraiment mon plus grand défaut. Je ne sais pas donner les conseils avec un ton conseillé, avec un ton douceur. C'est vraiment pareil. Il y a beaucoup de Gabonais, la chambre dont je vais t'interpeller sur ça. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont amené des bons projets au Gabon. On a même parlé aussi de Obamiaya qui avait voulu faire je ne sais pas quoi dans sa province et ce n'est pas allé. Donc, si tu veux vraiment faire des choses tranquillement, si ce n'est pas un buzz et que c'est vraiment un réel projet, je te prie vraiment de bien poser les choses et bien poser ton projet jusqu'à la finalité et la réalisation maintenant dans le respect de tes collègues, dans le respect des artistes. Et maintenant, tu peux à ce moment-là appeler chacun et proposer et signer des contrats et voir comment tu peux les accompagner pour leur business ou dans leur carrière artistique. Vraiment, tu le fais dans le cas. Mais ce que tu fais là, bon, Dieu fang, Béa Duna, on ne mourra fang. Béa Duna et Djonga Vata. Dwanga vata, on dans la bombe, on dans leur mam, on aime bien à dire, Mourassa dit, ça ouvre un baba mir, Mourassa dit, ça ouvre à calme baba mir, n'a pas comme il dit, le nom de l'union, on m'a dit, comment vous venez, Mouraya dit, tellement de miami, aya dit, tellement de moteur, et n'y en avait, baba n'y en a, et y'a ma tabassi, ou si bon, à calme de l'union, ou en cabo, pop, maman, je me sens en fait, ou bon, titeur, ou bon, titeur, vous venez, 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 venez,
Ben miladia ba ya bo me en cacher ba kakabo. De fois même ba tu jansen. Ba kuma za même na yul do ta bansen. De fois ba kuma za même ba prononcer yul do ben sous couvert. Wa wo fo na mura so mon patron wa so na ton patron ce qui il ne veut pas se faire connaître. Il y a les gens comme ça. Mon patron, parce qu'à se protéger, pardon, il doit avoir à table. C'est quoi vous attendez? Il y a des gens comme ça, on est au milliardaire, bon, maman. Oui, c'est mon patron qui t'envoie. Mon patron veut. Oh, cela n'a ton patron n'a pas le nom. Parce que le patron ne veut pas se faire connaître. Tu comprends? Un zam de wasso, so, wo, koko, nou, yabi, yu, nga, zitene, yabi, yu, koko, pa, 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 tene, 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 wona, ngam yakoum, mianga, sa, ngam, zitene, ngam yakoum, mianga, beba, sile, wom, mianga, nga, koko, beba, vale, wom, nga, koko, wom, yen, vazina, wasso, mouran, bon, zam, no, azifu, bo, gabonne, ma, me, zam, ah, wo, wo, yen, kele, bo, nyon, o, kolo, kele, bo, nyon, gabo, zam, me, me, ma, zam, e, zam, abe, re, dina, ma, koum, na, bon, be, yem, ye, bon, bo, bon, na, ye, mi, me, volo, ye, me, e, mou, rako, tou, wo, a, tou, wo, a, mou, rako, me, zato, wo, a, bo, ko, tou, wo, Zamaniti, on a coco. Wamere comme nous, moi, mais une boule, un canara, vous, on a été mis une boule, très, 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 on a un mura comme un mia, zahana d'étena, un mura comme un zahana d'étena, oh, quoi, on ne va pas me manenga. Il va pour mané. Il va pour mané. Anana. Oh, quoi. Yo, mais t'as mal à l'aide à l'abonné, mais t'as mal à l'abonné à la boule. Ya kul ba sawaya wa dire bi ba ba ben ba ko ba sis mayo ngon to e yul da man yo ne to be fam ba ne to mi tam ba ne etege e yul ma ba no mi tam ba ne na nu man ma me no fo nyu ma me wa fi ava ma ko wa kal ma ko man zam ma ne nyu me ne ta grand sœur e yo ma to nya do di ko ba na man zam e zam o ya bo di sam ba ba zam e bo bi ba di mo di ta beta ma na ma ko ma sa yo beta o na o no ma beta wana makuma yui beta atafa ona yo wadila minal uti bo mama bin so bodi o yo okiri ko bele bitom clear ni mere tera nya makob la so mandi tabasi manga ko bo vana a zama mana zam avant okoba bana va se tromper avant bo mbi adam mais mi ani dama di makob la zita bo facebook ba manga kama yo o wanga ba bo zama mane ida makuma vana avant na makoko traduire fala avant de traduire en français avant de continuer en français. Permettez-moi de parler parfois le fang. Vous savez que j'adore parler le fang. Oui, parce que quand je parle le fang comme ça, il y a une jouissance dedans. Il y a une jouissance de faire découvrir ma langue au monde entier. Aux Sénégalais, aux Ivoiriens, aux Américains, aux Chinois. Wesh, il y a une langue au Gabon qui s'appelle le fang. Dommage, je ne parle pas le pounou. Je connais seulement du fou et Moussoundou. Moussoundou. Est-ce que you understand me? Abondi bona au nom imour. Intame ya lenya un chargé de projet. Au nom imour on a amanzan. Un mama se bika bia bo. Wo wa ne ko e bo etulite. Wo ne ko dira zame te de mama za. O ko le ka dira mia, o ko le ko tenen bour. Wo wa ne bo de amara ta ta bebe. O bla no mama ba mour parce que mour ya tenen go be kala bia bi. Ane be beri ve ane beru mani. On mourit n'y a rien au titre de coco, en éber, en éclair. Parce que moi, en raconte si colo, à Bodza, va bebe publication, mou yaya boni. À téléphone, on nous, on nous, ma yin en nous avagne, mais on y en voit comme une lèvre. À va quand nous, on nous, mounina, baleine, en éviva. À quand nous, on nous, l'autre là, papa Zengi, baleine, anna, ton, machin, anna. Nzaka ka bo communication professionnelle avec les gens bien que quand on lou mou nina on lou na lou ma bizarre dans votre scénario là va quand on yiti papa donc avant avant lou di ou que tu y a mou ya bon lou dans ton scénario ou le rapport dans un projet ou que nous sera c'est pas tu devais présenter une maquette du projet ou comment présenter une maquette du projet ou je dis nous lire maquette va quand nous mou amba mou amba mou an lou bizarre ni ou dit tu va que ne pas pour maner. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Je veux le lien pour participer. Clique sur le... Il n'y a pas le lien. Clique sur le bout là. Rentre direct. Il y a deux bonhommes à côté. Il y a deux bonhommes à côté là. Il y a deux bonhommes comme ça souvent dans le live. Deux bonhommes. Clique dessus. Clique dessus.
Raison pour laquelle on dit la base de toute chose, une bonne communication, car sans une bonne communication, les propos ou les idées peuvent être mal interprétés. Bien exactement, c'est ce qu'on est en train de dire ici, que le projet est tellement bien, quand je dis tellement bien, c'est-à-dire la promotion des artistes, des acteurs culturels, voilà, parce que si au moins un milliardaire gabonais pouvait aussi mettre un tel projet pour des jeunes entrepreneurs gabonais, parce qu'il y a beaucoup de jeunes entreprises qui ont des idées génieuses ou ingénieuses, mais qui n'ont pas de financement. Si aussi un milliardaire pourrait aussi sortir comme Shane Braddon pour faire du côté, mais là, avec un concours, c'est-à-dire le meilleur projet, les 10 meilleurs projets seront financés. C'est comme ça, on me dit, hey, Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent, parce que quand je vois les gens venir faire des conneries dehors ici, ça me dit que moi je suis dans une autre planète. Parce que moi je lancerai un concours du meilleur projet. Celui qui a le meilleur projet entrepreneuriat, les 10 meilleurs projets entrepreneuriat ou les 100 meilleurs projets entrepreneuriat sur 2 millions d'habitants seront financés du début jusqu'à la fin. C'est comme ça on parle et tu lances un concours et tu mets un jury et c'est le jury qui va choisir, c'est le peuple qui va choisir, qui va juger devant tout le monde, qui va juger les projets devant tout le monde, qui va jeter le meilleur projet. Ils vont prendre 100 sur peut-être les 2000 personnes qu'on va recevoir. On va seulement retenir 100 meilleurs projets. Et les 100 meilleurs projets seront soutenus du début jusqu'à la réalisation. C'est comme ça que tu dois faire avec tes artistes. Lance un concours. Je m'exprime mal? Est-ce que je m'exprime mal? Bien, j'ai terminé. Oh non, tu ne veux plus rentrer. Tu me donnes mal au ventre. J'ai un mal au ventre. Quand je parle fort comme ça, là, parfois, j'ai des palpitations dans les boyaux. J'ai des palpitations dans les boyaux. Tu ne vois pas. Attends, alors, je vais essayer de te prendre. Attends, Christina, j'essaie de t'envoyer la demande si tu ne vois pas. Voilà, la demande envoyée. Christina, la demande envoyée. Ah, tu as aussi envoyé en même temps. Ok, c'est bon. Essaie d'accepter alors. Il y a quelqu'un qui vient de mettre tête de mort là. Je ne t'ai pas vu. Sinon, comment est-ce que tu es? Voilà, merci. Comment il fait noir chez toi comme ça? Tu es où? Aux États-Unis? Ou en Chine? Non, je suis à Paris, mais je suis dans la chambre. Ah, il fait déjà nuit là-bas? Non, non, comme j'ai froid, quoi. J'étais en télétravail aujourd'hui, donc j'ai pas... Ok, vas-y, on t'écoute. Ok, je suis d'avis avec toi et j'ai eu à communiquer, j'ai eu à lancer un message aussi, à écrire un message sur la plateforme de FANG en disant que Shane Braddon, il s'est très mal comporté. Parce que quand il met la liste des baobabs de la musique, tels que Bapunga, Chanel et tous ces artistes, pour moi c'est du mépris quoi. Mieux, j'aurais préféré... La provocation préféré, en même temps aussi, du mépris avec une petite provocation. Oui, j'aurais préféré qu'il contacte d'abord ses grands en disant « J'ai un projet, je vais valoriser la musique gabonaise et en valorisant cette musique, j'aimerais que vous travaillez avec moi. » Il ne peut pas prendre Chanel qui a plus de 25 millions de vues. Elle fait des featuring avec Fally Poupa. Elle gagne des Afrima, je ne sais pas quoi, en Côte d'Ivoire. Il va venir la rabaisser sur un projet qui dit qu'il veut valoriser. Chanel, elle n'a pas besoin d'être valorisée. Au contraire, elle doit encadrer les petits qui sont en train d'arriver derrière. J'ai aimé Chanel lorsqu'elle a pris la Santi, l'Ova, je ne sais pas quoi, elle conseillait. Mais là, je suis désolée. Quand il est suivi comme ça, il doit avoir des experts en communication, en stratégie managériale autour de lui pour donner des conseils. Mais là, il fait des trucs comme il est né à Kingston. Il fait des trucs à la façon de Kingston. Je ne suis pas en train de rabaisser, mais pour moi, c'est triste. Et donc, on a une personnalité. Oui, moi, on a une personnalité gabonaise à cette hauteur qui est suivie par le monde entier et qui fait ce genre de choses, moi ça me frustre quoi. Je me dis qu'on est loin d'être au niveau des Ivoiriens qui valorisent leur musique, au niveau des Congolais qui valorisent leur talent. On a vu Don Jazzy, c'est un grand de l'industrie nigérien, mais il n'a pas fait ce genre de publication. Il a appelé des petits comme Rebook Banks et tout ça, oui. Ils ont fait de Robucci et il a lancé les petits derrière. Mais là, Shane Braddon, je suis désolée,
Il est nul dans sa communication. Il est nul dans son managérial. Et je comprends maintenant mieux pourquoi il y a vite, il lance un peu des pics. C'est sûr qu'il y a eu des problèmes au fond et que peut-être qu'ils ne veulent pas mettre ça en avant parce que ce sont les deux sont des personnalités publiques au Gabon. Mais là, je suis désolée, je suis extrêmement déçue. Et quand je vois des gens insulter FANG en disant que, oh non, il veut faire. Comme ils ont dit ça, il veut valoriser la musique, mais je suis désolée, il va valoriser la musique de Bapunga. Les deux étaient des artistes, mais Bapunga, il est parti jusqu'au Sénégal, il a fait le tour d'Afrique. Ce que lui n'a pas fait, donc il ne peut pas vous dire qu'il va valoriser. Je te coupe pas la parole. Dans son programme de valorisation, on a lu le programme, attends, je vais encore te prendre. Dans son programme, c'est créer des streaming, c'est acheter le matériel. Donc, Bapunga n'a pas l'argent pour acheter son matériel. Bapunga ne sait pas où se trouve le streaming en question. Parce que quand tu me parles, c'est comme si Bapunga ne sait pas comment faire gagner l'argent avec la monétisation, comment acheter les produits. C'est lui-même qui a détaillé. C'est-à-dire qu'avec les 500 000 là, c'est ce qu'il va faire. Il va ouvrir une plateforme de monétisation, de streaming, des trucs comme ça. Mais les streaming qui existent déjà, puisque tu sais que ça existe déjà, pourquoi ne pas aller s'associer, être associé à celui, à cela? Maintenant, si tu crées, pourquoi? Pourquoi ne pas créer et maintenant appeler aux artistes que voici, j'ai mis en place le streaming. Venez vendre votre musique dans mon truc, comme Apple Store, comment on appelle Apple Store, Music Store là. Est-ce que le propriétaire de Music Store a dit que je donne 500 000? C'est la personne qui a voulu se faire coller là-bas, va aller s'enregistrer, va remplir et puis on va écouter la musique là-bas. Voilà. Cyril, à la limite, il doit s'excuser et dire que sa communication a été nulle. Il appelle aux jeunes. Pour moi, ce projet, ce sont les jeunes qui sont en herbe et des grands baobabs encadrent ces jeunes. Ce n'est pas à les mélanger tous dans un projet qui voudra dire qu'il veut valoriser. Il ne peut valoriser aucun de ces baobabs parce que lui, il est dans le monde de la musique. Il a été nul, il faut dire la vérité. Il n'a pas été à la hauteur de Koba, même si Koba a eu des problèmes. Il n'a pas été à la hauteur de Mauvaise Haleine, même s'ils ont eu des problèmes politiques. Comment il n'a pas été à la hauteur de Amandine? Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il viendra lui va valoriser. C'est lui qui est gagnant parce que c'est son streaming qui va être encore plus connu. Mais là, pour moi, c'est décevant pour quelqu'un qui fait une personnalité qui a plus de vues que Eto'o, que Drogba. Pour moi, c'est décevant. Les Gabonais, il faudrait qu'on puisse apprendre à réfléchir et avoir des cabinets d'experts. Je pense qu'il peut y avoir des cabinets d'experts au Gabon qui peuvent conseiller des cabinets d'experts. Et pourtant, j'ai fait un message sur sa note en disant qu'il te faut un avocat, il te faut des experts pour encadrer ton projet. Et si tu en as besoin, prends aussi des jeunes en herbe qui veulent te conseiller, qui veulent t'aider à faire signer des contrats, parce que ce sont des contrats qui vont être signés. Mais après, derrière, il peut y avoir de l'embrouille. C'est lui qui est gagnant. Et lorsque ça va péter, les gens viendront dire sur la plateforme en disant qu'on veut salir son image et pourtant, il voulait faire connaître la musique. Mais pourtant, c'est lui qui est nul dans toute sa communication. En tout cas, je sais que beaucoup d'amis ne sont pas d'accord. Il y a quelqu'un qui dit que devient notre viande. Vous voyez? C'est toujours les gens qui ont dit que tout ce qu'on a raconté là. Lorsque on veut donner des conseils, ce sont ses enfants, ce sont ses moutons. C'est ça le problème des Gabonais. Lorsqu'on veut donner des conseils pour que les gens s'améliorent, lorsqu'on veut critiquer, c'est sous forme de jalousie. C'est sous forme de. Je ne sais pas. En fait, je me dis qu'au Gabon, on n'a pas un repère, peut-être parce qu'on n'a pas eu des. On a eu Benke qui a détruit le groupe Eben, on ne sait pas comment ça s'est passé. On a eu Edgar Yonke qui a à chaque fois des problèmes. Il n'y a pas un repère. Aujourd'hui, lorsque nous-mêmes, les jeunes, on essaie de faire des études, que ce soit sur la digitalisation, que ce soit sur le manager, le milieu managérial, que ce soit, quand on veut donner des conseils à nos aînés, eh bien, un, on ne les respecte pas. Deux, on devient jaloux. Et c'est étrange, on ne va pas avancer. C'est étrange, on ne va pas avancer. C'est clairement nul. Le Gabonais doit avancer. Tout ce qu'il est en train de faire, il y a une école derrière. On a eu un grand, il y a un grand dans le monde de l'industrie musicale qui est Jay-Z. Et ces petits qu'il encadrait tels que Rihanna et Kanye West sont plus riches. Parce que hier même, avant-hier, quand j'ai fait sur le premier live, j'ai dit ça que, prenons l'exemple à 50 Cent et Jay-Z, ce sont des chanteurs qui ont encadré d'autres nouveaux chanteurs, d'autres jeunes chanteurs. Aujourd'hui, non seulement ils sont des producteurs, mais ils chantent aussi, mais dans le respect, parce que c'est gagnant-gagnant.
C'est un truc de gagnant-gagnant. Il n'y a pas de que je te donne parce que j'ai. C'est un truc de partenariat. C'est-à-dire que tu vas gagner, tu ne fais pas de le monde, tu ne leur fais pas de la charité. Ce serait du gagnant-gagnant sur des partenariats bien ciblés avec des objectifs à atteindre. Mais ça, c'est loin d'être le cas de notre frère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, dans le premier là, peut-être que son but aussi, c'est qu'on parle de lui en bien ou en mal pour dire qu'on est jaloux. Mais papa, jalousie là, je vais manger ça avec toi. Tu mets un poste qui ne passe pas bien, je sors. Parce qu'il n'y a rien de jalousie. Comme je dis, tu n'es pas le premier à avoir ça d'argent au Gabon. Tu ne seras pas le dernier. Donc, on n'est pas jaloux des milliardaires comme Guizouan Dama qui se bat avec les milliardaires. On ne va pas le braquer. C'est toi seul qu'on les milliardaires qu'on n'a pas vu qu'on va être jaloux. Les milliardaires, le milliard de Zuba, on a vu, on n'est pas allé arracher sa valise. C'est pour toi qu'on n'a pas vu, qu'on entend seulement les oreilles, qu'on va venir être jaloux. Il n'y a pas de jalousie. Il y a les vérités qu'on doit te dire. Il y a les vérités qu'on doit te, qu'on se doit de te dire. C'est pas qu'on est contre toi. On se doit de te le dire. Et moi, je te le dis là, en toute franchise, c'est parce qu'au Gabon, il n'y a pas de justice. C'est parce qu'au Gabon, les gens ne connaissent pas déjà leurs droits. C'est parce qu'au Gabon, les artistes ne connaissent pas déjà leurs droits. Parce qu'un artiste qui est sous contrat avec un producteur et se retrouve sur ta liste là, il y a de fortes chances que le producteur te poursuive. Pour rien. Ouais. Parce que l'artiste est encore engagé. Il va créer l'embrouille. Ouais, c'est vrai. Il va créer l'artiste est encore engagé. Donc, il va dire, parce qu'il y a ce contrat, tu as signé un contrat d'exclusivité, tu vas faire quoi là-bas? Donc, ça veut dire que tu as le droit de les gens rentrer en contact avec toi et tu as donné ton aval de travailler avec un autre producteur. Maintenant, dans ce cas, tu vas devoir me payer les dommages et intérêts. Voilà comme ça, Chanel va se retrouver à payer égal donc, $1 million de francs CFA parce que son nom se retrouvait dans vos conneries. Et ça, on ne doit pas vous dire ça. Je suis là, je n'ai pas peur. De quelqu'un dans ce monde-là, qu'il y a quoi? À part me faire. Je t'ai donné mon avis, et si d'autres Gabonais, ils pensent que nous sommes tellement jaloux, ben ils peuvent donner leur avis, et voilà, c'est la. On va dire. Les valises d'argent, mais oui, ma chérie, on a vu les milliards de papa d'Amano. Tu n'as pas vu comment d'Amano, c'est un milliard, comment j'ai tapé le corps ici, là. J'ai voulu les milliards, là. C'est pour Jean Bradon que je n'ai pas vu. Je vais tout aller pleurer. Le milliard de. Papa Zuba, que j'ai vu comment c'était à terre comme ça, j'ai même fait au moins 4 politiques. Aïe, quand je regarde l'argent, là, j'ai les insomnies. Les milliards de Papa Zuba ont donné les insomnies. Les milliards de mon frère que je ne vois pas, c'est ça que je veux détruire. Ah, pardon, les Gabonais, foutez-moi le camp, pardon. Ne me fatiguez pas avec vos conneries. Alors, on va partir. C'est ce que Vincenzo dénonçait, c'est pas le monde. Voilà, exactement. N'aime pas la vérité quand quelqu'un, je suis habituée, j'étais encore machin, je suis habituée avec les Gabonais. Les Gabonais aiment le match vu. Quand on leur met plein la vue, ils sont contents. Quand on dit que ce que vous voyez là, c'est pas vraiment ça. Oh, c'est toi la sorcière. Les Gabonais aiment le match vu. Tant que Shane Braden continuera à parler en dollars, en argent, il aura les moutons. Voilà. Il aura les moutons qui vont suivre. Ouais, ouais. Mais quand Shane Braden commencera à parler d'objectivité, de but, de finalité, de trucs sans mettre l'argent devant, venez me dire là, mes paroles, sauf si Facebook me coupe demain, les paroles restent, ou les écrits restent, ou quoi que ce soit reste. Les mêmes Gabonais vont piétiner Shane Braden devant nous tous ici. Yes. Ils vont le piétiner ici devant nous tous. Je vois ça seulement les gens avec Yann Dong. Quand Yann Dong fait les lancements sur les trucs des jeunes ou les buzz ou les machins, ils sont là, mais quand Yann Dong va mener un sujet un peu de sensibilisation, ils ne vont même pas regarder son nom. Oh, grand, oh, là, le grand, tu as fait la montagne. C'est deux fois Yann lui-même dans ses lèvres, oh, arrêtez de rire là. Laisse-moi te parler d'un sujet important. C'est comme ça les Gabonais sont. Parce que ce que tu donnes aux Gabonais, ils vont te suivre dans ça. Ce que tu donnes aux Gabonais, le jour que tu vas venir, tu as fait une petite virgule. Ils vont dire, oh, nous, on ne connaît pas ça. C'est après, dit que, pardon, j'ai le droit aussi de faire ce que je veux sur ma page. Voilà pourquoi moi, je ne permets pas que vous, là, vous venez me commander sur ma page. Eh non, je ne vous commande pas, vous ne me commandez pas. Je fais ma page comme je veux. Si je vais danser, je danse. Si je vais crier, je crie. Si je vais pleurer, je pleure. Si tu n'es pas content, tu viens au moment où tu seras content. Mais ne laissez pas. Et c'est ça que Shane Braden fait. Il veut satisfaire ses abonnés en parlant que d'argent et argent matin, midi et soir, sans prendre en compte les paramètres qu'il peut mettre en place. Il peut mettre d'autres personnes en danger ou il peut
offenser les autres, il peut mal agir, il peut humilier les autres. Il ne prend pas ça. Lui, c'est seulement argent. Contactez-moi. Genre, c'est toi le Jésus. Contactez-moi. Si vous voulez prendre votre argent, contactez-moi. Inbox. 500 000 euros ici. Le voisin a deux salaires. Moi aussi, j'ai deux salaires. Si je fais aussi deux salaires, je peux aller prendre un crédit de 500 000 euros. Allez, prendre un crédit de 500 000 euros. Je dis que je vais financer tous les boss ladies qui ont des projets. Je lance un concours à tous les boss ladies. Voilà un truc. Un entrepreneur gabonais, voici. Nous, moi j'ai un projet, j'ai mon entreprise à développer là. J'ai besoin de 50 000 euros. Donc, Shane Braddon, enlève 50 000 euros dedans, je vais donner ta caca de danger. Dis frère, I love you. So, I'm going. Vous avez bien compris, j'espère bien, les paramètres, tout ce que je voulais faire comprendre ici par rapport à notre truc. Lorsque nous avons analysé dans le premier live la liste, on remarque que dans cette liste-là, elle est incomplète parce qu'il y a certains artistes, il y a certaines catégories d'artistes qui ne figurent pas, comme les artistes tradis modernes, comme les artistes traditionnels, comme les artistes de boutiques, comme les banous, là. Il y a certains, il y a un tri dedans. Donc, du coup, ça ne rentre pas vraiment dans l'optique, sauf s'il y a une deuxième liste. Même s'il y a une deuxième liste, certains artistes tradis modernes auraient pu au moins figurer sur la première liste. Deuxièmement, cette liste-là, elle n'est pas vraiment complète. Je vous donne les voies d'orientation pour que vous ayez au moins la trame. Cette liste-là, elle n'est pas bien détaillée. Vous devez alors faire par catégorie. C'est-à-dire que les rappeurs, les chanteurs, les chanteurs de machin, vous devez mettre par catégorie. Et dedans, vous devez dire chaque catégorie, nous allons prendre peut-être 10 artistes, comme vous avez fait 185, essayer d'avoir à peu près 10 ou 11 catégories. Donc, du coup, vous allez mettre, puisque vous avez d'autres côtés, voilà, essayez de mettre au moins 11 catégories dans tout confondu. Et donc, dans chaque catégorie, vous allez mettre à peu près 10, jusqu'à arriver à 100 et quelques. Ensuite, vous allez tout simplement mélanger tous les artistes. Il n'y a pas seulement les artistes des jeunes, parce que quand on regarde, à part les vieux Bawa que vous avez essayé de citer, comme les Bamandine, Arnold Jude, là encore, je ne sais pas ce qu'Arnold Jude vient faire dans ton truc, Arnold Jude et autres. Donc, il faut aussi voir quelle sera la répartition ou la redistribution de cet argent-là par rapport à ces artistes-là. Qu'est-ce que tu vas proposer? Est-ce que le même contrat que tu vas proposer à Arnold Jude, ce sera le même contrat que tu vas proposer à l'oiseau rare? Est-ce que le même contrat proposé au Baobab du rap gabonais Mauvaise Haleine, ce serait le même que tu vas proposer à le Flot du Sud? Donc, je ne sais pas, tu comprends un peu. Donc, par là aussi, il faudrait aussi détailler quelles seront ou quelles seront, bien sûr, les conditions d'attribution par catégorie. Est-ce que je me fais comprendre? Troisièmement aussi, il y a la place où tu as mis les humoristes dedans. Moi, je trouve que les web humoristes ne sont pas des humoristes. Ce n'est que mon point de vue personnel. Je ne vois pas ce que... Je prends l'exemple, tu ne l'as pas mis. Je ne vois pas, par exemple, Dibakou ou Manitou. Qu'est-ce qu'il va faire à côté de Cham Aloué? Parce que ce n'est pas les mêmes catégories. Cham Aloué fait rire les gens sur Internet. Il ne pourra jamais remplir les salles comme Dibakou l'a fait, comme Manitou le fait. Donc, du coup, là aussi, tu dois... Tu devrais pouvoir mettre par catégorie des humoristes physiques et des web humoristes. Les web humoristes, là, ne suivez pas parce qu'ils atteignent les 400 millions de vues ou les 300 000 vues. Ça n'a rien à voir parce qu'on sait que Internet, ça va vite. Avoir des vues sur Internet, ce n'est pas la réalité. Donc, là aussi, vous devez distinguer des humoristes par catégorie. Oui, on ne peut pas mélanger les anciens humoristes qui ont fait rire les Gabonais, qui ont fait rire le Gabon ou même l'Afrique entière avec les gens qui viennent nous faire rire après des petits partages, des partages de web sur Internet. Ce n'est pas, it's no same, please. Donc, il faut vraiment les distinguer. Ensuite, je vois dedans qu'il y a des réalisateurs, mais je n'ai pas vu la plupart des réalisateurs. Donc, c'est des jeunes, des petits, nouveaux réalisateurs que tu as pu. Il y a peut-être un que j'ai vu dedans, que j'ai déjà vu quelque part. Je pense que c'est MJ Film, un truc comme ça. Mais le reste, je ne connais pas. Exemple comme Melchior ou bien comme qui. Voilà, je n'ai pas vu. Donc, tu vois que là aussi, il y a matière à discuter. Comment tu vas pouvoir distinguer le réalisateur par
Est-ce que ce serait par le nombre de films? Est-ce que ce serait par... Voilà, est-ce que tu vas donner les prix? Et ensuite, ce qui me tue, parce que là, les gens de chez toi disent que non, tu as proposé de ton offre, ce n'est pas pour donner de l'argent, ce n'est pas pour distribuer de l'argent, mais pour offrir une plateforme de monétisation. Et là encore, je dis que c'est une bêtise surdimensionnée. Voilà, c'est une bêtise surdimensionnée parce que tu ne peux pas contacter Ariati, qui est un empire, qui est mariée à un docteur, qui ne chante même plus, qui vient faire les laves moins une fois tous les un an. Une fois tous les un an, Ariati vient faire les laves. Mais c'est elle que tu vas proposer, que tu vas la promouvoir pour ouvrir une plateforme de monétisation. Elle va monétiser quoi? Les chansons qu'elle chante toutes les ans. Elle va monétiser quoi? Déjà là aussi, c'est ça aussi. Donc si c'est ça l'offre, ton offre n'est pas étoffée, ton offre n'est pas bien ciblée. Parce que tu ne peux pas prendre quelqu'un qui ne chante plus, qui a décidé de quitter dans le milieu de musique, de se concentrer à son business et à sa famille. Tu dis que toi, tu vas promouvoir cette personne-là. Tu vas forcer qu'elle vienne être promue. Tu vas forcer la personne d'être promue parce qu'elle a décidé de ne plus chanter. Elle a décidé de se concentrer à sa famille. Elle chante maintenant par passion. Elle s'occupe de sa famille et de ses enfants. Donc, tu vois que là aussi, il y a eu un gros flop de communication. Il y a eu un gros flop. Et pour finir, il faut arrêter de lancer des pamphlets. Il faut arrêter d'avoir un langage de quartier. Il faut arrêter d'avoir un langage de you boss, un langage de voyou de quartier. Des trucs comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Fais dans les normes. Fais dans la légalité. Contacte des managers. Contacte des gens, contacte qui, quoi. Tu dois les contacter, envoie les propositions. Moi, quand je vais faire un site internet, j'envoie ma cliente un cahier de charges qu'elle va me remplir. Après le cahier, le client finit de me remplir le cahier de charges. Je vais l'envoyer un contrat. Si elle est d'accord avec le contrat de réalisation en question, là, on signe le contrat et je me mets à travailler. Là, c'est pour moi parce que moi, c'est dans le numérique, le digital. Donc, je ne sais pas pour le reste. Mais je pense que pour tout contrat, pour toute prestation de service ou autre, c'est à la personne qui a l'offre d'aller contacter le client. C'est à toi. C'est comme si tu étais quoi. C'est à toi d'aller contacter les personnes. Tu devrais contacter à rien dire que la vente. Je sais que tu as arrêté la musique et je voudrais que tu m'accompagnes ou m'assistes ou me soutenir ou même peut-être faire ma communication. Parce que ce n'est pas forcément les gens que tu as cités vont forcément bénéficier de ton streaming. Excuse-moi, leur est commis dans l'arrière catégorique, moi, rien à cirer de ta plateforme de monétisation parce qu'ils savent bien comment se monétiser. Mais je pense que si tu veux utiliser leur est commis dans pour te faire la promotion de ton business, c'est autre chose, pour te faire la promotion de ton projet, peut-être, là, tu veux dire, alors, comme moi, parfois, je le contente des grandes, hein, petit frère. Je veux que tu me fasses la communication de cet événement, tel plat, tel plat. Il va te dire, il n'y a pas de souci. Voilà pour ça, tu me demandes peut-être, je te demande peut-être 2 millions ou 3 millions et je te fais la publicité de une semaine ou deux semaines. Tu comprends? S'il y a des artistes qui seront là pour faire la communication, tu dis, or, là, tu ne précises pas les choses et c'est un peu flou. C'est-à-dire que vers la fin, tu veux dire, pour les personnes citées, veuillez me contacter. Pour, voilà, puis tu mets à côté, hashtag 500K000. C'est vraiment dégueulasse ce que tu fais. Ce n'est pas respectueux envers tes collègues. Ce n'est pas respectueux envers tes frères. Et ce n'est pas respectueux pour l'homme que tu es, pour le business que tu es. Même si tu as envie de faire le clash ou le buzz, ce n'est pas très respectueux. Choisis vraiment des bons conseillers autour de toi. Choisis les bonnes personnes. Et surtout, surtout, adapte ta communication selon la cible. Adapte ta communication selon les personnes que tu veux interpeller. Ariati n'est pas ta sœur, elle n'est pas ton enfant. Déjà, Franck Bapumba n'est pas ton enfant. Ils sont là avant toi. Ils seront là après ton offre. Ton offre va expirer quelques temps après, comme l'échelle du PDG. Ça va finir, on va t'oublier. Et ces artistes barbables vont continuer leur business. Donc, ne salis pas leur nom dans des choses dont toi-même, tu n'as pas eu la peine et le temps de travailler et poser tes fesses sur le canapé et d'écrire un projet en bonne et due forme et venir nous présenter ça comme un nom businessman comme ça. Nous tous là, moi-même, j'allais te faire la campagne ici matin, midi et soir. On est venu me fatiguer à décortiquer ton truc qui me donne des vertiges. Sur ce, Mawanda, j'ai dit ce que je pense. Je pense ce que je dis. Si tu prends en bien, tant mieux. Si tu ne prends pas en mal, ça va te passer. Ça va te passer. Moi-même, où tu me vois là, j'ai un mal au ventre. Je m'en vais. Donc, je voudrais me lancer dans la musique, je suis dans, ou le cinéma, je suis dans, en tout cas, il faut le contacter. Le grand veut se faire trop, veut faire trop, à mon avis, il avait dit le 1er novembre, pourquoi publier la liste? Ah ben voilà, c'est pour ça que je viens de dire,
Ariel, tu es déjà en retraite. Ce que je viens de dire, qu'il est pressé. C'est l'homme-là, c'est 2 jours. Non? Il a publié 2 jours. Plus 2 jours plus tard. Il fait tous les 2 jours. D'ici 2 jours, il va publier l'autre. Je vous ai dit que Chambre va donner dans le buzz et je vais dormir dans son buzz. Son pied, mon pied. Il est dans le buzz, je dors dans son buzz. C'est comme ça. Alors, j'ai fini. J'espère que je n'ai pas dérangé vos esprits, que je n'ai pas été trop crieuse ou criante et que je n'ai pas touché la sensibilité de ceux qui n'aiment pas la contradiction. Vous pouvez, là, je vous ai laissé libre choix. Si quelqu'un veut rentrer, mais personne n'est rentré parce que la contradiction est plus forte que vous. Vous connaissez seulement m'insulter. Vous m'insultez. Voilà ce que je vous montre. Mon gros dos. Mes fesses. Yes. Sur ce, bonne soirée à vous. On se donne rendez-vous d'ici peu. Dans 2 jours, je dors maintenant. Je vais aller dormir sur la page. Je ne suis pas abonné là-bas, non. Je ne suis pas abonné chez Chen Brandon. Je vais aller m'abonner pour recevoir les notifications. Parce que ça, c'est rien qui m'a envoyé. Je vais aller m'abonner sur Chen Brandon pour recevoir les notifications pour que je ne rate rien. Ou bien, si vous êtes là-bas, je ne suis pas abonné. Parce que moi, je suis bizarre. Moi-même, là, ce n'est pas parce que les gens cherchent quelqu'un. Chen Brandon ne suit pas les gens. Il suit avec le faux profil. Donc, moi aussi, je ne le suis pas. Il n'y a pas de souci. Il n'a pas mon temps. Je n'ai pas mon temps. Yandong, monsieur, je suis dans Yandong. Oui, Yandong abonné ici. Je suis abonné. Le Félix est abonné. Je suis abonné. Je suis abonné aux gens qui sont abonnés à moi. Et parfois, chez les mecs, c'était bon. Je suis abonné avec mes comptes privés. Donc, lui, là, je ne le suis pas. Avec ma dette, c'est 25 millions. Donc, je regarde seulement comme ça. Quand je vois, on me dit qu'il a fait ça. Je vais aller saisir. Donc là, je vais m'abonner pendant que le clash va finir et puis je vais me désabonner après le clash. Ou bien les gens, vous viendrez me dire, quand il va s'abonner chez moi, on va s'abonner ensemble. On se soutient ensemble. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui est né pour soutenir les autres et d'autres ne soutiennent pas. On va se soutenir ensemble. Tu me soutiens, je te soutiens. Tu ne me soutiens pas, tu ne me donnes pas la vie. Voilà. Oui, oh, son pied, ton pied. Tu as compris, on est colocataire. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le message que Claire dit, tu as fait un peu trop. Laisse le chat. Frère, pardon, ne mets pas les organes. Laisse-moi son pied, mon pied. Votre problème est où? Au Gabon, il n'y a pas de clash. Moi-même, je viens créer mon clash avec mon frère. Ça vous énerve. C'est pas mieux vous asseoir, vous abonner, les abonnés de Claire, de Chen Brandon. Je devais être là quand j'ai lancé une live de chaîne comme ça. Je devais avoir 1 million de personnes connectées. Il n'y a pas de clash au Gabon. Je crée mon clash avec Chen Brandon. Ça vous fait mal. Ça va, vous êtes dans les plans des Ivoiriens là-bas. Laissez-moi clasher chez nous. Maman, vous devez vous abonner. Abonnez-vous. Je vais le clasher matin, midi et soir. Donc, tu n'es même pas abonné. Je ne suis pas abonné. Il n'est pas abonné à moi. Mais on se clash. Le jour qui va s'abonner, j'aime abonner. Moi, je suis abonné aux gens qui sont abonnés à moi. Tu n'es pas abonné. Je ne m'abonne pas. Ah, il y a quoi? Je suis venu sur terre pour attraper le sac de quelqu'un. Michel, va attraper le sac de quelqu'un. Parce que tu as les abonnés. Ah, c'est que vous ne me connaissez pas. Oh. Pas plus fier que moi comme Claire. Donc, les abonnés des chaînes, là, des chaînes, faut venir. Moi-même, j'ai lancé un clash. Il n'y a pas de clash au Gabon. Quelqu'un vous crée le clash, vous fuyez le clash. C'est pas mieux, on consomme le clash, là, vous pouvez me donner des abonnés. Demain, quand je viens, il faut qu'on soit au moins 500 000 personnes. Comme il veut donner 500 000, vous devez être 500 000. Chen Brandon, faut venir booster mon live. Tu as la capacité de booster. Il faut venir booster mon live. Il faut aller booster mon live en Chine là-bas ou en Inde. Il faut venir booster mon live. Comme je t'insulte, il faut venir booster mon live quand je te clash. C'est comme ça. Il faut venir booster mon live pendant que je te clash. Ton pied. On est ensemble. On va aller là-bas. Il nous prend pour qui? On va pour qui diable venir booster le live. Il publie. Mais même Boss Lady, vous partez regarder. Il publie, vous m'envoyez. Là, c'est le Félix qui m'a envoyé. Vous voyez qui publie, vous m'envoyez. On allume la caméra. Ils vont tous sauf que venir s'asseoir dans notre royaume ici. Ils vont venir s'asseoir. Ils vont venir s'asseoir dans notre royaume. Ils vont nous écouter parce que nous, on ne ment pas. Nous, on n'aime pas les foutaises. Et s'ils veulent le clash, on va tous sauf le clasher dans le respect. On blague. Jusqu'à ils vont être abonnés. Ce n'est pas les abonnés de Badocon qui sont ici. Badocon m'avait amené plus de 5 000 abonnés. C'est grâce à Badocon que j'avais atteint 40 000. Non. Est-ce que moi, je parle? Donc, je m'avais cherché aussi. 5 000 abonnés chez Bat. Le mouton.
Vous partez, qui ne veut pas les abonnés ici sur Internet? Oh, tu cherches les abonnés. Qui ne veut pas les abonnés? Vous? Les abonnés, là, vous payez mes produits, vous payez mes trucs. Les abonnés, c'est l'argent. C'est vous qui n'avez pas compris. Un abonné est 1 euro de gagner. Un abonné égale à 1 euro. Un abonné. Les amis, le live, dans 2 jours, on lance encore, non? Dès que vous me voyez en live, là, vous partez appeler tous les chaînes pour le demande. Vous envoyez là-bas, vous envoyez beaucoup. Tous ces groupes-là. Je vous dis, vous partez, vous voyez un de ces posts-là, non? Vous allez dans partage. Je vais vous montrer comment trouver les groupes de partage. Vous voyez le poste de Shane Brandon. Vous voyez partage. Vous partez voir les groupes où ces gens-là partagent. Vous partez aussi appeler les gens de là-bas que venez. On est en train de clasher votre papa là-bas. Vous partez partager dans les groupes de Shane Brandon. C'est comme ça. Vous partez partager là-bas. Vous mettez le titre. Shane Brandon se fait ramasser par Claire Newman. Ils vont venir. Oh. Je te dis que le Congo va venir, le Cameroun, l'Éthiopie, l'Inde, ils vont venir voir comment je ramasse leur papa. Ils vont venir. Donc nous aussi, on doit avoir notre stratégie ici, les human boss. On va avec. On va lancer chez moi le clash là. On est dedans, on est des cas ici. J'aime le problème. Comment ça, c'est pas bien? Papa, Shane Brandon, le fan de Shane Brandon, abonne-toi seulement. Bienvenue dans la maison. On t'a dit, comme tu viens d'arriver, ici c'est la maison de déranger, c'est la maison de bouche percée. Donc, abonne-toi seulement et va appeler tes collègues. Va appeler tes collègues que, oh, wow, on est en train de manger papa là-bas, il faut partager, il faut donner les bousques. Voilà, c'est comme ça. Et puis comme ça, on va parler chercher les deux plateformes. Comme ça, quand Facebook va nous couper ici, nous tous, on va se ravitailler dans la nouvelle plateforme de monétisation que Shane Brandon va nous mettre. Parce que Facebook, là, on ne gagne plus bien l'argent. Tu veux mettre la musique, on te dit que non, ta vidéo, l'argent est partagé avec le son que tu as mis. Donc, moi, que Shane Brandon va nous créer une plateforme où Facebook ne nous fait pas chier avec les droits d'auteur. Voilà. Bon. Moi, c'est vous déshabillez pas. Non, ne mettez pas les organes, ne pleurez pas. Vous-même là-bas, c'est vous qui allez avoir honte après. Si vous me suivez, si vous suivez mon clash, vous-même là-bas, vous allez avoir l'attention pour rien. Allez, bisous à tous et on se donne rendez-vous dans 2 jours. Je vous aime bien, d'accord? Que Dieu protège vos familles. Bon début de semaine et on est ensemble. Voilà, c'était votre maréchal des opprimés, ministre de la misère, celle qui a quitté le Gabon hier, mais les noms-là vont seulement rester comme ça parce que j'ai démissionné du Gabon. C'était votre tata dérangée et tata dérangée nationale, ou peut-être parce qu'à l'époque j'étais internationale. Quand je parlais les choses de toute l'Afrique, maintenant je suis nationale. Après, je vais quitter nationale pour revenir internationale. Mais en tout cas, c'était votre tata dérangée, bouche percée, et on est ensemble. Tata dérangée de nous, nous, on doit manger. Ok, alors, revoir, va manger. Tu manges à 18h, oui, à quoi du régime? Qu'est-ce que moi, je peux encore manger? Je commence. Moi, je commence le régime tous les lundis et tous les mardis, je coupe. Et puis, je recommence lundi et mardi, je coupe. Donc là, je m'en vais aussi vite faire prendre la salade là. Allez, salut, bisous.